Attention, cette vidéo n'a pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit sur le jeu de League of Legends. Il est fortement conseillé que vous posiez votre cerveau à côté de vous et que vous sirotiez tranquillement un verre de lait. Yasuo est un épéiste ionien qui fut le seul de sa génération à maîtriser les techniques du vent. Beaucoup le voyaient comme l'un des futurs grands héros de Ionia, mais son destin fut tout autre. Un jour, Noxus envahit Ionia, et Yasuo, qui était chargé de protéger l'ancien, quitta son poste pour livrer bataille. Lorsqu'il revint, l'ancien était mort, assassiné. Yasuo se rendit lui-même aux autorités, et lorsqu'il découvrit qu'on le soupçonnait également d'avoir assassiné l'ancien, il prit la fuite et entreprit de retrouver le véritable assassin. Son chemin finit par croiser celui de son frère, Yone. Liés par le même code d'honneur, les deux guerriers se saluèrent et tirèrent leurs épées. Silencieusement, ils décrivirent des cercles face à face, éclairés par l'éclat de la lune. Quand enfin ils chargèrent, il s'avéra que Yone n'était pas de taille face à Yasuo. Un éclair d'acier suffit à abattre Yone. Yasuo lâcha son arme et se précipita aux côtés de son frère. You killed me, brotherfucker. It's just death. Nothing serious. What? I'll give you the easy way out. What? People keep running into my blade. What? Kill me. You can try. What? Le passif de Yasuo est la voix du vagabond. Grâce à sa volonté, les chances de coup critique de Yasuo sont doublées. Et grâce à cette détermination, Yasuo obtient de l'impulsion en se déplaçant qui lui permet de lui conférer un bouclier lorsque cette impulsion est au maximum. La première attaque de Yasuo est Tempête d'Acier. Chaque impact de Tempête d'Acier octroie un effet Tempête menaçante pendant quelques instants. Au troisième effet cumulé de cette Tempête menaçante, la Tempête d'Acier provoque une tornade qui va droit devant elle et qui projette les ennemis dans les airs lorsque ceux-ci sont touchés. Moi, quand je vois ce genre d'attaque, ça me fait penser à ça. Hasagi! Holy shit! Yeah, stay in the car. Whoa! Oh my god! La deuxième attaque de Yasuo est Mur de Vent. Le passif de Mur de Vent permet de remplir sa jauge d'impulsion plus vite. Et son actif, c'est juste un petit mur qui dure 4 secondes et qui permet de bloquer un peu tous les projectiles du jeu de League of Legends. Voilà. La troisième attaque de Yasuo est Cercle Tranchant. Cercle tranchant lui permet de charger sur une distance à travers un ennemi, lui infligeant des dégâts et le marquant. Mais il faudra noter qu'on ne peut l'utiliser qu'une fois toutes les 10 secondes sur la même cible. Et il faudra aussi noter que ça donne une mobilité au personnage qui n'est pas dégueulasse. Hein. Alors on peut s'en servir de plusieurs manières, hein. On peut dasher à travers les creeps et puis laisser l'ennemi tâter un peu de la lame, quoi. Et puis dasher sur un autre creep juste après pour éviter de prendre des dégâts. On peut aussi avec le bon timing utiliser le cercle tranchant et la tempête d'acier en même temps. Et avec le bon timing, vous verrez Yasuo effectuer une petite pirouette sur lui-même et détruire tous les creeps en même temps ainsi que votre adversaire. Et puis l'ultimate hein, de Yasuo, et bien ses derniers soupirs, c'est le cas de le dire, en tout cas pour l'adversaire, parce que Yasuo va avoir la possibilité de se téléporter directement à un adversaire qui est sous l'emprise d'un bump, quel qu'il soit, hein, sinon c'était pas drôle, parce qu'on peut effectuer quelques petites compos assez sympathiques munies d'un peu tous les bumps possibles et inimaginables du jeu, et au passage, lorsque l'adversaire retombe à terre après s'être fait complètement vilipendé par toute la team adverse, Yasuo ignore en plus une partie de l'armure de celui-ci. Malgré tout, c'est un personnage qui a le mérite d'être vraiment, 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 vraiment fun à jouer. De toute façon, avec un gameplay aussi frénétique, on ne peut que s'amuser. Donc voilà, c'est la fin de ce mini podcast sur Yasuo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si oui, je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien évidemment. Et si ça ne vous a pas plu, ne dites rien, s'il vous plaît.